Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode avec The Ness, la mort est à mes pieds. On se retrouve ici les amis, regardez ce que je retrouve. On peut découper au laser et pour ça il me fallait cette structure que je viens de trouver. Alors est-ce que ça va fonctionner ou pas? Alors moi je suis en capacité de pouvoir résister mais pas longtemps. Allez aussi sur Utip, petite pub, ça fait plaisir. Alors je peux pas, je vais reprendre un petit peu d'air parce que dans mon Simeos je respire. Mais j'ai rien pris pour moi manger ni quoi que ce soit. Alors on va se défendre avec un couteau. On peut scanner quelque chose ici. Fragment du B à véhicule. Le B à véhicule était là les amis. Et ici on peut encore ouvrir quelque chose. Allez on essaye aussi là. 64% d'air. Que je puisse encore respirer. Ça. La maison elle est pas loin en fait hein. Elle est vraiment pas loin du tout. On va dire elle a... Ah bah on le voit juste là à l'écran les amis, je vais vous montrer. Elle a 376 mètres pour être exact. Et ici on trouve des choses. Ah des choses que j'aurais peut-être pu trouver auparavant ici mais moi... C'est pas grave, ça me fait du titane. Ouvrir la boîte de données. Léger réservoir à haute capacité. Je vais ressortir, prendre un peu d'air. Je me méfie les amis, je me méfie énormément parce que j'ai failli mourir en fait hors caméra. J'ai récupéré quelque chose, quelques petites choses en fait. Ah, de spécial, ouvrir. Merci l'ami. Alors il fait pratiquement noir, je ne vois rien du tout. Alors, fragment. Chargeur de pile. Chargeur de pile, 1 plus 2 font 4. Non, c'est pas ça. 1 plus 2. Ah, fragment 2. Découpeur laser, je l'ai déjà. Ça peut nous faire du titane. Vas-y, fais péter. Est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Ou pas ici? J'observe, je regarde. Hein. Je regarde avec mes yeux ébahis. Ah, ah. À propulsion. Canon à propulsion, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Bon ici apparemment il y a une structure. Alors je vais respirer encore. Ah ouais, c'est beaucoup de respiration de sortie de rentrée. Voilà l'eau. Ça commence à être just. Est-ce que j'aurai ma pile pour voir un peu plus ce que je fais les amis? Voilà c'est la signal d'emplacement. Ah on voit mieux. On voit un peu plus mieux. Oh. Est-ce que je peux le scanner ou pas ça? Non. Dommage. Là-bas, je vois quelque chose. Yes. Allez, scanne-moi ça. Yes, chargeur à piles, les amis. On pourra recharger nos piles. En plus, j'en avais plein de piles. Truc de malade. Est-ce que je peux le scanner ou pas, ça? Oh. Attendez. Qu'est-ce qui se passe, là? Station de modification. Oh, station de modification. Je fais plus attention les amis, je suis ailleurs là. Je vous avoue que je suis ailleurs. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Oh, c'est génial. C'est génial, je récupère des choses. Je suis ailleurs. Alors fermer, non. C'est par là qu'on vient je crois. Non plus. Ah on se perd déjà, bah alors The Ness. 30 seconds. Voilà les amis. C'était là dessus que je voulais vous montrer que bah, j'ai récupéré des choses hein. Alors dans la section des vaisseaux les amis, j'ai désélectionné la capsule parce qu'on voyait la capsule et à chaque fois je me trompais et j'allais à la capsule alors que nous maintenant c'est la maison qu'il faut aller et repérer aussi le Simeos. Le Simeos je vais le mettre en jaune. La maison je la laisse bleue et les signales je vais les mettre en rouge. Genre tu sais c'est catastrophe, il faut y aller tout de suite mais en fait bon, pas du tout, pas du tout. Alors normalement je peux éclairer. Ah yes. Ça bouffe les piles. Absorption d'eau conseillée. D'accord. Ces petits lézards qu'on vient de passer là, c'est ces lézards là les amis qui nous... Voilà, celui qui vient de passer au-dessus là. C'est ceux là qui nous font mal. Je vais voir quand même l'inventaire assez plein. Ah ça c'est génial. Je l'ai mis là mais je le regrette pas lui hein.
Je ne le regrette pas du tout. Je vais récupérer le petit celui-là. Voilà. Et toi pour manger. Toi pour manger. Toi aussi. Allez hop. Entrez. Bienvenue à bord, capitaine. Je ne regrette pas du tout, les amis, ce que j'ai fait. Oh non, mais tu vas pas commencer à pondre tes œufs devant chez moi, toi. Oh non, vite, on va rentrer. Avant qu'il date en haut. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout son brin, quoi. Encore un appel radio. Non, mais si vous avez besoin d'aide, appelez 112. Hein. Ou le 17, hein, je sais pas, mais un petit peu, faut réagir. Hein. Action, réaction, je sais pas, hein. Mais voilà, quoi. Alors, voilà. Oh là là, mais ça fait plaisir, les amis, à chaque fois de vous retrouver dans ces épisodes. Oh là là là, puis en plus, là, je peux faire des tubes à gogo, là. Justement, là, j'ai besoin d'eau, mais véritablement maintenant, quoi. Allez, j'ai soif. Voilà, et il nous faut aussi de la nourriture salaison. Non, on va faire de la nourriture simple. Il y a encore de la nourriture simple. Voilà, au pire, j'ai des bouteilles. Dans mon truc. Consommer, manger, manger. Ça fait du bien. Ça fait du bien par là où ça passe. C'est sûr. Attendez, j'ai du sel. Normalement j'ai du sel. Je viens de récupérer du sel. Donc je vais électronique. Qu'est-ce que je peux faire d'électronique? Non, j'ai récupéré du sel. Non. Eau de javel. Eau de javel, je peux pas faire de l'eau de javel. Comment que ça se fait? Je comprends pas. C'est ce matériau, il faut sel, des échantillons de corail. Et qu'on n'a pas. Bien sûr que non. Échantillons de corail, on trouve ça où les amis? C'est pas ça là? Échantillons de corail plat. C'est peut-être pas ça. Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est des échantillons de corail tubulaires. Je sais où en trouver. Je sais où en trouver. Et ceux-là, je vais les poser là. Voilà, j'ai du sel, hein. Voilà, comme ça, moi, ça c'est fait. Le cuivre. Pour les piles, j'ai le sel. Alors, les tubulaires, normalement, on les trouve sur les gros tubes blancs, là. C'est ça, là-bas. Alors, on prend le couteau, normalement, on tape dedans et ça nous donne des tubulaires. Enfin, je crois, je pense. C'est ça. À un moment donné, le truc va être plein, vous en faites pas. Bon, j'ai vraiment de la place, j'en profite. Voilà, au moins on a pu retourner par ici. Oh, vous pouvez me servir, monsieur le poisson. Voilà, toi, ça fait des bouteilles, hein. faut s'en rappeler de tout ça. Ça nous fait des bouteilles et de l'eau, on en a besoin dans ce jeu. De la nourriture aussi. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Bon, la structure, je suis toujours à la base des bases, hein, mais là, je m'équipe. Faut comprendre que s'équiper est nécessaire dans ce jeu. Alors là, je vais t'en faire des bouteilles de masse. Sel. Et tubulaire. Dépôt de sel. Encore du sel. Allez. Donne-nous ce qu'il nous faut. De l'eau en forte capacité. De l'eau encore. De la nourriture, c'est pas ce qui nous manque du tout. D'où c'est du faux, c'est de l'eau. J'ai encore un pochon. Et là, les bouteilles. x2. Ah là, là, de l'eau, on va en avoir. Bah, j'ai fait mes stocks. Hein. Yes, les amis. Yes, yes, yes. Là, je vais avoir le truc plein, plein, plein. Oh, regardez ça, mais c'est bon tout ça, c'est bon. Avec les tubulaires, je vais les mettre avec les tubulaires. Ouais, je vais les laisser ensemble. Je vais tout déplacer tout ça là. Je sais que là c'est l'eau et la nourriture de toute façon. Et là c'est absorption d'eau conseillée. Donc je bois eau désinfectée ou eau filtrée désinfectée. C'est pas le même, je pense que ça fait pas la même capacité. Mais au moins j'ai de l'eau, voilà les amis, j'ai de l'eau. 10 minutes déjà de passer, qu'est-ce qu'ils vont encore dire eux? Faut chier. Ah, ils m'emmerdent. Oui, on a récupéré les chargeurs de piles. On va essayer de voir ce que c'est. Alors, chargeur de piles. Non. Non plus. Ah, station. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi pour la station?
Ah, je peux pas le faire. Je peux pas faire l'installation. D'accord, chargeur de pile. Kit de câblage. Ah, le kit de câblage, il nous faut vraiment ce kit de câblage. Kit de câblage. Alors, je regarde les amis, kit de câblage. Kit de câblage. Ah, minerai d'argent. Pour ça, il faut que j'y aille. De l'autre côté, j'en ai 15, je crois, de minerai d'argent. Quelque part. Le seul que j'ai est ici, les amis. Eh oui. Voilà. Seul minerai d'argent que j'ai pu trouver. Mais est-ce que je vais en retrouver ailleurs? Ça, bonne question. Je vais essayer de me rendre là où il y avait la structure. Là, je remonte. Et le nuage, je crois qu'il est quelque part là-bas. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce qu'entre... J'ai pas pris de nourriture, j'ai rien pris. Je suis parti encore une fois à l'arrache. Ça, c'est embêtant. Hein. Je suis vraiment dans la capacité de vous dire si c'est bien ou pas à chaque fois. On se fait poursuivre. Non, c'est bon. On s'en est échappé. Moi, ce qu'il me faut, c'est tout de suite de la nourriture. Pour ça, il y a les patates. Tant mieux. On va prendre un petit peu d'eau avec nous. Et on peut tout stocker ça dans notre vaisseau. Ça, c'est impeccablement impeccable. Alors, regardez. Quand on part en voyage, bah, il faut partir les mains et les poches pleines. Ah oui, mais là, j'ai vraiment tout rempli. D'accord. Voilà, ça, c'est rempli. Au moins. Entrer dans Simeos. Et on repart. De plus belle. En aventure, les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va croiser dans tout ce bruit? Espérant qu'on croise pas trop de géants. Ah bah si, regardez ça. Qu'est-ce que je vous disais? Capsule à couler au fond. À 1336 mètres. Il faut éviter aussi les poissons parce qu'ils nous cassent la structure de notre vaisseau. Ah, j'ai oublié de vous le dire ça. Ouais, ouais, ils cassent nos structures et... Je pense que c'est là-bas qu'on avait remarqué l'île. Bille. À 1000 mètres quoi. Qu'est-ce qu'il a foutu là-bas le mec? Capsule encore de survie. Est-ce que c'est pas un piège cette fois-ci? Oh là là, ça m'a toujours fait flipper ces trucs là-bas. En énergie, on est bien. En bouffée, en nourriture, enfin en soif et en nourriture, on est bien aussi. 250 mètres de profondeur. On est qu'à 16 mètres. Allez, on descend. Là, on descend en piqué, quoi. Par contre, le problème que j'ai, c'est que quand je vais descendre du véhicule, je risque littéralement de me faire compresser par l'eau. C'est-à-dire que ma vie va descendre, mon oxygène va descendre x10, quoi. J'ai peur que ça a un impact sur moi, les amis. Oh, on a trouvé une zone non connue de ma part. Waouh. Waouh. Juste waouh. Ah ouais, je suis un petit peu parti à l'arrache, là. Je sais même pas moi-même où je vais, là. Non, on l'a pas perdu, le signal, il est là. 250 mètres de profond. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis. Oh, c'est tout ce qu'il nous fallait! C'est ce qu'il nous faut en plus! Les amis, je peux pas passer à côté, c'est du minerai. De. Alors là, je suis bien. Je suis dans mon univers. Par contre, je vais me méfier, je sais pas c'est quoi ces petites bestioles là. Il y a des petites choses que je ne sais pas c'est quoi, les amis. Et puis ça me fait flipper. Je sais pas du tout là où je suis, ce que ça fait, ni quoi que ce soit. Alors, je descends, mais vraiment. Je suis à côté. Ah ouais, ouais, la pression est fortement déconseillée de sortir de votre vaisseau, monsieur. Oh, regardez, ils me poursuivent! Qu'est-ce que j'ai récupéré, les amis? Minerai d'argent. Et il m'en faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ils m'ont repéré, ils m'ont repéré. Faites preuve de prudence lors de la plongée en eau profonde. Ah oui, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi. Je viens d'avoir une alerte. Une alerte comme quoi j'étais présent et qu'il y avait quelque chose tout près. Cette chose là, attaque. Cette chose attaque, je sais pas c'est quoi. Je préfère m'en méfier. 80%, 83% de batterie. Tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien les amis. J'essaye de voir ce que c'est. Je me promène. Nous nous promenâmes. Il est là-bas. Il est encore assez loin, mais ces choses-là me font peur. On dirait des trucs électriques, c'est marrant hein, quand même. Je veux voir ce que c'est ça là. Cette structure avec mon couteau. Bien sûr, avec mon couteau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que je viens de récupérer? Des échantillons fongiques. Il est où lui, monsieur électrique? Je ne vois plus les amis. Il est plus loin, il est là-bas. Regardez-le! Il est monstrueux. Il m'a vu, il m'a vu. Est-ce que j'aurais le temps de scanner un champignon ou quelque chose? Est-ce que vous pensez que je peux scanner quelque chose avant qu'il arrive? Il est prêt. Hein. Arbre à champignons. Je veux simplement savoir ce que c'est. Je vais m'écarter un petit peu de cet endroit. Et on va prendre le dossier, les amis, qu'on vient de récupérer. Détection d'une activité volcanique et de plusieurs signatures électromagnétiques inhabituelles dans la région. Donc, je me méfie, moi. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai récupéré, là? C'est pas le bien véhicule. Champignons, je sais pas quoi faire avec ces champignons, c'est pas grave. Alors, la signature thermique est là-bas en bas. Je vais esquive le gros monstre. Je vais aller là-bas, on peut peut-être récupérer encore plus de choses dans ces trucs là-bas. Il y a moyen de faire quelque chose. Des minerais de sel. C'est ça que moi j'ai besoin là, ça. C'est du plomb que je crois que je récupère depuis tout à l'heure, du plomb. Plomb, plomb. C'est ça. Oh, regardez la capacité de sel là. J'ai pas le truc pour, je crois. Et ça, c'est un nœud, un œuf. Oh là. Ça, c'est un œuf. On va éviter de le prendre. Oh là. Deux fois que je me cogne, je vais finir par me faire repérer. Allez, c'est reparti. On réessaye, on retente. Dès que je vois quelque chose d'important, les amis, la seule chose que je fais, c'est je le prends. C'est de l'or. Les amis, j'ai récupéré de l'or. C'est génial. Mais il faut aller profondément. Apparemment, je suis vraiment profond, profond. Oh là 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 là. Signature thermique. J'aime pas. À 200 mètres, on va sauvegarder. Hop, sauvegarde en cours. Voilà, oh là là, regardez, il y en a d'autres. Il y a une structure volcanique là-bas encore. Oh, regardez les champignons de malade. J'espère qu'il n'y a rien autour. Si je peux le scanner, je le scanne. Allez, fais vite, parce que là, je prends cher. J'ai pris cher, les amis. Oh, mais cher, cher, cher. Hein. C'est pas le petit cher. Il est là. Qu'est-ce qu'il a foutu le mec? Ah, je suis à 250 mètres de profond là. Ça rame du cul. Ça rame du cul, j'espère que ça va se maintenir. Waouh, j'ai failli rester là. Ah, il fallait bien s'en douter. Hein.
C'est dangereux, c'est trop dangereux là. Ce que je fais, c'est n'importe quoi. J'ai récupéré des choses, les amis. Je suis à 250 mètres de profondeur, je suis en train de prendre cher. Prends ce PDA de merde. Yes, les amis, on remonte, on se casse. Et on va à la maison. C'est parti, les amis. Oh là, c'était dangereux. Je m'en vais parce que là, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dangereux ce coin. Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Regardez ces champignons bizarroïdes. On va en retirer une leçon, c'est que c'est très, 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 très dangereux. Je me suis pas fait électrocuter, mais je pense que ça doit pas faire du bien du tout. J'ai envie encore de récupérer des minerais d'argent. Je suis dans le coin en plus. C'est ça le pire. Je suis fort près de cette cavité que je cherchais tant. Comprenez-moi, les amis, c'est dangereux, mais c'est tellement bon à la fois. Regardez, je sais même pas c'est quoi. On voit des choses comme ça, ce truc là. Qu'est-ce que c'est? Un rubis! Oh! Les amis, j'ai récupéré un rubis. Un rubis! Mais cet épisode! Un rubis! Comme ça ici! Ah, mais c'est trop beau quoi! J'ai pas envie de partir. Dans 2 minutes, je vais me prendre un coup d'électricité dans les fesses et je vais dire, ah, c'est moins beau là. Je me casse, j'ai entendu un bruit trop bizarre. Voilà quoi. Bienvenue capitaine. Écoute petite, moi j'ai des choses à te montrer, à te dire. Et oui. Et oui oui, regarde ce qu'on a récupéré, un rubis. Dur, pierre précieuse, conductrice composée d'oxyde d'aluminium. Alors là les amis, qu'est-ce qu'on peut faire direct? On peut en faire deux. Comme ça, je pense qu'on peut en faire deux. Il y avait des choses qu'il nous fallait vraiment, des trucs très chers. De l'or, des minerais d'argent, câblage, ressources. Attendez, il y avait des choses qu'on avait besoin. Est-ce que ça serait pas dans ça? On avait besoin de rubis. J'avais débloqué, j'avais dit, mais on a besoin de ça. Mais où veux-tu que j'en trouve? Où veux-tu que j'en trouve? Regardez, regardez, on peut faire le kit de câblage avec du fil de cuivre, du titane et du cuivre, on vient d'en récupérer. Allez, allez, pour cet épisode, arrête de rêver et fais-nous... Ah, je voulais entendre dire, c'est pour ça que je suis en train de vous le dire. Fais-nous ce rêve que tu as voulu, Zedes, ce rêve de vouloir... Ça c'est champignons, c'est échantillons, on va les mettre là, les échantillons. Voilà, on peut enfin avoir notre chargeur. À pile. Yes. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Chargeur à pile. Mais il y avait autre chose que je voulais vous faire. C'était ça, c'était fait. Attendez, hein. Ça, non, ça, on n'a pas besoin. Ça, c'est... Ah, c'est la boussole. Attendez. Boussole. Affiche les points cardinaux sur le HUD. Bah non, on l'a. On l'a. Ça, c'est kit de câblage, ouais. Je crois que je me suis trompé, les amis. Kit de câblage avancé. Non, il fallait bien un kit de câblage. Hein. Ne me faites pas peur. Ah là là, j'ai un doute. J'ai un énorme doute. Chargeur de pile, enfin kit de câblage, de fil de cuivre, du titane. Et lui, on sait pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Parce que là, je suis en train de faire des trucs très chers. Ça coûte. Il y a un truc que je voulais faire, je sais plus c'est quoi. C'est peut-être ça. De l'or, j'en ai récupéré en plus de l'or. Du titane peut-être qu'il me fallait. Je vais en prendre un peu au cas où. Juste pour le truc. On va le mettre où ça? Ce chargeur à pile. On va le mettre à l'entrée. Ah, à l'entrée, bah oui, bah, c'est parce que ici, j'avais dit ça va être tous les coffres. Ici, ça va être tous les coffres, notre stock de coffres. Mais ici, il nous faut nos chargeurs, il nous faut nos trucs à nous. Voilà, ça va être comme ça, puis c'est tout. Mince, je me suis trompé. Voilà.
Yes, yes, yes. Est-ce qu'on aura assez d'énergie à force? Puissance 75. Les piles déchargées. Déchargées, j'ai dit. Celle-là. Celle-là, on peut en mettre 4, je crois. J'ai vu 4 emplacements. On va voir ça tout de suite. Chargeur à pile. Allez, équipé. Équipé. 1% déjà. Regardez, 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 ça fonctionne. Ça se charge. Ah, c'est génial. On a pas mal de choses qui se font. Et puis je peux encore sortir, ça gêne pas à l'avenant. Donc attendez, est-ce que ça je peux défaire sa pile? Décharger, attendez, décharger pile ou charger pile? Attendez, j'essaye de comprendre. Décharger la pile. Voilà. Est-ce qu'on peut accéder au chargeur? Ouais. Et même s'il est à 50% équipé. Est-ce que même si... Ah oui, 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 oui. Même en cours. Aucune pile. Ça, je viens de l'enlever, c'est normal. Mais regardez, on peut recharger les piles directement en le... En le prenant la pile, par exemple, celle de l'emplacement de lui. On prend sa pile, on fait décharger. Et on le met là-dedans. C'est juste magnifique, les amis. Je vous laisse là-dessus, les amis. C'était le chargeur à batterie qu'on a trouvé. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer, mais je sais plus. Ça sera pour un prochain épisode. Parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Ça serait trop, trop, trop d'un coup. Ah, les informations, peut-être qu'on a eu. Des informations qu'on a eu. Oui. On a eu des informations. Quelles sont ces informations? Ça, on le savait, mec. BA véhicule, ça, on le savait. Ah, ça. À propulsion. Magnétite! Qu'est-ce que c'est de la magnétite? Amélioration, on peut faire des améliorations. Pour l'instant, je regarderai ça plus tard. Les schémas de moteur du cyclope, quoi. Voilà, voilà, tout ça. Ça sera à voir pour d'autres épisodes, hein. Bah oui, bah oui, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser, je pense. Alors, je regarde. Ça, c'est toutes les batteries, ça, c'est les câbles qu'on peut faire. Ok, on fera ça au fur et à mesure. Là, je peux rien faire ici, en fait. Pas d'énergie, il peut pas s'allumer. Il peut pas la s'allumer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Détection de l'énergie volcanique, ouais. Bah, c'était ici que j'étais perdu, les amis. Canon à... Il y a propulsion, il y a répulsion. Le canon à répulsion est une modification du canon à propulsion originel. Cette modification accroît son effet de propulsion contre une réduction de sa capacité à tirer des objets. Il peut être fabriqué à l'aide d'une station. C'est le canon que je voulais faire. C'était le canon, les amis. Et le canon... Et le canon n'était pas là? Le canon, il est ici. D'accord, bah ça sera pour une prochaine vidéo. Kit de câblage. On n'a pas assez de minerais d'argent. Et bah non. Et bah non, ça sera pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous laisse là-dessus. C'était Zodès, la mort est à mes pieds. On verra pour le minerai d'argent. Mais en attendant, laissez des pouces. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes aussi nombreux à suivre la chaîne. Commentez, likez, partagez. Du plomb, en veux-tu, en voilà. Et à la prochaine. Allez, zou. Let's go.